Alors, comme je le disais précédemment, on a une petite coupure. Comme je le disais précédemment, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100 Talks. Notre invité, c'est Bertrand Fauffet, il est Camerounais. Il fait des choses merveilleuses. C'est le CEO également d'une très belle boîte. Je vous laisse découvrir cet homme extraordinaire. Bienvenue. Bonsoir Bertrand, comment allez-vous? Très bien, merci. Et je profite de l'occasion pour dire avant, salut à toutes, à toutes, tous les fans, en fait, Oui. des spectateurs, justement, du concept. D'accord. Donc, voilà. Et j'en profite justement pour saluer également tous ceux qui nous suivent depuis les différentes pages YouTube, Florian Moncam, Débrouillard Podcast, Quantum Empire, également sur Facebook, Florian Moncam, Quantum Empire, et aussi toutes les personnes qui nous suivent depuis des pages sur lesquelles nous sommes également diffusés. Alors, Bertrand, on va commencer par on va se tutoyer, hein, on va commencer par ton Ouais, actualité. je Alors, Django, Bertrand Fauffet, qui es-tu vraiment? Parle-nous de toi. ça, exactement. Moi, relativement difficile pour moi en général de parler de moi-même. Mais bon, ce que je vais dire, c'est que je suis, de façon générale, je pense que ce qui revient habituellement, c'est que je suis passionné par ce que je fais. Oui. Et j'ai une formation de. Je suis ingénieur en informatique et puis Alors, j'ai on évolué va dans. très bien. On va commencer par le présent. Actuellement, tu es à la tête d'une structure. Présente-nous. Alors, présente-nous qui est Bertrand Fauffet, qui est alors le projet également l'entreprise Django. Présente-nous. Allô? Oui, donc alors je disais ceci, ton Oui. actualité sur le plan professionnel, on va commencer par ça. Tout à Tu es CEO d'une entreprise, tu vas nous présenter ton entreprise, et également le secteur d'activité et qu'est-ce que le consommateur pourrait profiter de cette entreprise-là, par exemple. D'accord. Donc, je disais donc tout à l'heure que je suis Bertrand Fauffet, je suis un Camerounais, je suis basé aux Pays-Bas et j'ai Oui. quitté le Cameroun il y a environ une douzaine d'années, je vais dire. Et j'ai étudié aux Pays-Bas et ensuite j'ai travaillé comme consultant en informatique dans pas mal de boîtes. Et Oui. récemment, jusqu'à très récemment, j'étais consultant en plein temps chez Accenture. Donc, on va dire qu'il y a quelques années, on a lancé un projet au niveau du Cameroun qui aujourd'hui est connu sous le nom de Django et qui en fait est un moteur de recherche agribusiness. On aura le temps de développer justement un peu le détail, dans le détail, ce que nous Oui. faisons et pourquoi nous le faisons. Mais Oui. déjà, ce que je peux dire maintenant, c'est que Django a été créé pour résoudre un problème qui est africain, qui est lié à notre alimentation. Donc, Et il faut savoir justement, oui, les justement producteurs, Bertrand, oui. oui, aujourd'hui, c'est Django, une solution de développement vers une Afrique mieux nourrie. Pourquoi et comment? Je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Donc, D'accord. je te laisse continuer, s'il te plaît. Voilà, donc je disais que au départ, étant informaticien, il faut rappeler que j'ai pas un background qui me prédispose un peu à l'agriculture, on va dire ça comme ça. Il se trouve donc que je vais en Hollande étudier, mais avant de partir en Hollande, j'ai une entreprise au niveau du Cameroun. Et Oui. pour moi, il est question quand je pars de me former, de revenir pour de contribuer à développer le Cameroun. Alors, en 2014, par là, donc, je me dis, les 5 années d'expérience que je souhaitais avoir avant de me préparer pour le retour, je suis en train de voir ces années à venir, et puis il faut que je me prépare justement pour ce retour. Dans ce moment, je décide de régler, de contribuer justement, mais la question, c'est de se dire dans quel secteur je me lance. Alors, il y a dans cette statistique, en fait, au niveau de l'agriculture, de façon générale, qui est que les producteurs africains entre le moment de la récolte et la fin des ventes. Donc ça, c'est une des statistiques qui nous a fait en fait s'orienter vers l'agriculture, presque naturellement. La deuxième statistique, c'est que les 80% des personnes au Cameroun ont leurs revenus qui viennent directement ou indirectement de l'agriculture.
Donc, ces deux statistiques, en fait, sont les deux éléments qui nous ont, en fait, orientés vers l'agriculture. Alors, avec mon background d'informaticien, l'idée, c'était de dire, avec ce que je sais faire le mieux, comment est-ce que je peux aider à fixer, en fait, ce problème-là. Donc, et depuis en aiguille, on a réglé, on a lancé une ferme, en fait, je vais tout démarrer parce que n'étant pas éleveur ou agriculteur, il fallait comprendre, il fallait prendre du temps pour non seulement comprendre les vrais problèmes, les problèmes réels de ces producteurs, mais il fallait aussi, pour moi, tropicaliser un peu ma façon de penser. Donc, et dans ce sens, il fallait avoir un projet concret qui va être un projet pilote. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et de fil en aiguille, on a évolué jusqu'à la forme actuelle de la plateforme qui permet justement à tous les acteurs de la chaîne de valeur de pouvoir facilement se retrouver et d'échanger. Mais bon, s'il faut développer, je peux rapidement. On peut, bien sûr. Voilà, donc ce qui veut dire, en fait, je veux dire, nous au départ, on lance, donc ça c'est 2015 par là, on lance une ferme avicole au niveau de, je sais, à kilomètre 45, pour ceux qui, voilà, entre Douala et Déa, entre Douala et Yaoundé, qui arrive au kilomètre 45. On a donc lancé une ferme agricole dans cette zone-là, question de laisser les éleveurs locaux venir travailler dans cette ferme, question de comprendre en fait les réels problèmes de ces éleveurs. Et il y a eu pas mal de petites anecdotes justement par rapport à ça, c'est-à-dire que les éleveurs, toutes les personnes qui lancent des projets, qui ont des fermes, ont des problèmes qui sont presque communs à tous, qui sont liés à la qualité, en fait. C'est lié, entre autres, à la qualité des techniciens. Mais c'est aussi lié, en fait, à l'estimation réelle du coût de revient. C'est-à-dire que 80%, entre 80 et 90% des producteurs avec qui nous travaillons, en fait, je veux dire, qu'on a rencontrés sur le terrain, ne pouvaient pas dire avec précision quel est le coût de revient de leur production. Donc, il y a pas mal de problèmes comme ça, en fait, qui nous ont progressivement éclairé, en fait, dans la réelle problématique des producteurs. Et c'est ce qui nous a fait dans cette phase-là. Et là, on est vers 2016. On a donc créé un logiciel qui permet aux agriculteurs, aux éleveurs à cette époque-là, de pouvoir gérer leur ferme avicole et de pouvoir suivre les différentes activités à partir de ce système. Sachant que le système peut les aider, les renseigner, en fait, sur les erreurs qu'ils font et ce genre de choses. Donc, mais seulement, donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est qu'après la production, on s'est rendu compte, effectivement, qu'une grande partie des producteurs avaient des problèmes pour écouler leur production. Alors, on est là, deuxième trimestre 2016, et on se décide, en fait, de lancer la première plateforme qui vend de la nourriture en ligne, en fait, qui vend des poulets à cette époque. Parce qu'à ce moment, notre MVP, notre pilote, en fait, c'était vraiment sur le poulet. Enfin, on voulait voir toute la chaîne de valeur avicole. Donc, la deuxième phase, donc, c'est de lancer un site internet qui permet d'écouler les produits qui viennent de la ferme. Et là, on vend du poulet, on vend des poules vivantes ou alors du poulet déjà nettoyé sur la plateforme. Après, dans cet exercice, parce qu'il faut aussi rappeler quelque chose, hein, parce que quand on parle juste des problèmes d'écoulement, ça peut ne pas être clair pour tout le monde. Il faut savoir que le producteur en moyenne au Cameroun, il produit, les producteurs standards, hein, je veux dire les petits et les moyens, ils produisent en moyenne, pour le prix de revient, va chercher dans les 1800 francs le sujet. Le sujet, voilà. Donc, et en général, ceux-ci vont revendre à 2000 francs au revendeur. Ça veut dire que le producteur met 45 jours à travailler dur pour faire que les poulets passent d'un jour à des sujets, en fait, qui ont 45 jours et gagnent 200 francs. Et dans certains cas, carrément 100 francs de marge bénéficiaire. Et alors, le revendeur qui va venir acheter ces poules, en fait, ces sujets-là, en un jour, il va les acheter à 2000 francs et aller les revendre à 3000 francs, pratiquement, ou 3800 francs dans certains cas. Donc, le réel problème là, c'est que le producteur qui fait l'essentiel du boulot, en 45 jours, il se fait 200 francs pendant que les intermédiaires se font 800 francs, 1000 francs dans certains cas. Donc, c'était un vrai problème parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs producteurs abandonnent. Développer, en fait, un circuit de distribution qui permette justement aux producteurs de pouvoir facilement écouler sa production sans être un peu à la merci des intermédiaires, ça, c'était la deuxième phase de notre projet. Donc, la troisième phase ensuite, c'était juste de se dire, OK, on a fait un logiciel qui permet aux éleveurs de poulets de pouvoir, de poules, en fait, de pouvoir
gérer leur exploitation. Ce qu'on a fait, c'est de diversifier déjà cette application pour permettre justement qu'ils puissent gérer au-delà des poules, qu'on puisse gérer autre chose. D'ailleurs, on est passé de l'élevage, de la production animale à la production végétale et on a multiplié les produits. Donc, on a fait ça dans la troisième phase et on a aussi multiplié les produits en fait qu'on a sur le système, sur le site de e-commerce. Donc, on ne vendait pas que du poulet à ce moment. On a essayé de diversifier. Donc, ça, c'est la troisième phase, si on va dire comme ça. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté que les producteurs avaient aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que, il faut rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas, que la grande partie des poussins, des poules, des sujets qu'on élève dans nos fermes, ont des poussins qui viennent de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'on a un problème de sourcing pour les produits qui sont alimentaires et qui sont liés à véritablement notre, je veux dire, concrètement, on est dépendant un peu sur ce plan-là. Donc, on s'est alors constaté que les producteurs avaient un gros souci à pouvoir s'approvisionner en matières premières. C'est-à-dire que pour un éleveur de poulets, c'est par exemple les poussins, c'est par exemple la provende pour nourrir les poussins. Et puis voilà, en pisciculture, on a les aliments pour les grossissements de poissons qui viennent aussi de l'étranger. Donc, bref, on s'est rendu compte qu'un éleveur qui est peut-être à Yassa, à Douala, et qui voudrait s'approvisionner en produits alimentaires ou en produits en aliments pour les sujets, en fait, avait tous les problèmes du monde à tomber sur le bon fournisseur. Ça, c'est d'une part, donc, du côté de la fourniture pour le producteur de poulet. Mais de l'autre côté, il était question aussi de voir comment est-ce qu'on fait pour que l'écoulement des produits, des producteurs soit smooth et soit optimal. Et à ce moment aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait, donc en fait, les restaurants, les entreprises, ça semblait être les meilleures options de distribution contractuelle pour les différents, pour les produits des producteurs. Donc à ce moment, on a donc décidé d'élargir notre spectre et on a fait entrer d'une part les fournisseurs, c'est-à-dire les personnes qui vendent, en fait, qui offrent les intrants, en fait, pour les producteurs, et ça c'est tout azimut, hein, c'est production végétale comme production animale, on les a fait entrer donc dans l'écosystème. Ensuite, on a donc aussi fait entrer les restaurants, les hôtels, et éventuellement les entreprises qui font de l'agro-industrie, donc qui font des transformations, par exemple qui font des jus d'ananas, voilà, ainsi de suite. Ouais. Donc on les a fait entrer, parce que l'objectif pour nous c'était de se dire, comment est-ce qu'on fait pour que ce producteur qui a fait de l'ananas et qui est spécialisé uniquement dans la production, comment est-ce qu'on fait pour qu'il puisse se concentrer uniquement sur sa production et que tout ce qui est lié à la vente, la distribution et tout le reste, et le transport, entre autres, que ça puisse être géré sans que ce soit un overhead. Parce qu'il faut rappeler, hein, les 40% en Afrique, on perd entre 30 et 40% de la production entre le moment de la récolte et la fin des ventes. Alors, les pertes, là, en fait, ça va tout naturellement, c'est dans le transport. C'est-à-dire qu'avec nos routes, quand le producteur doit faire toute la récolte de sa pastèque et aller essayer de se battre pour trouver un transporteur, essayer d'arriver au marché sans bagarre, essayer de vendre rapidement, et quand il n'a pas vendu, parce qu'il faut rappeler que dans le transport, la manutention et tout, ça fait perdre un certain nombre de produits, mais aussi quand il arrive au marché et qu'il ne peut pas vendre tout son camion en une journée, il y a bien entendu des produits qui sont, qui sont abîmés, on va dire ça comme ça. Donc, et sur toute la chaîne, en fait, on se retrouve donc avec pas mal de pertes. Or, ce que nous, on a voulu mettre dans ce pied, c'était mettre sur pied un système qui permette que le producteur, par exemple, une entreprise qui fait de la transformation de pastèque en jus de pastèque, que cette entreprise puisse venir directement s'approvisionner au champ. Ça fait donc que le producteur puisse vendre toute sa production, toute la production, toute la récolte, je veux dire. Et du coup, ça limite les pertes. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, ça permet aux producteurs de pouvoir vendre. Puisqu'en général, il y a en moyenne entre 4 et 5 intermédiaires entre le producteur et le dernier client, en fait. Or, en mettant donc toutes ces personnes l'une près de l'autre, en face de l'autre, en fait, ce que nous on fait, c'est de donner la possibilité aux producteurs, d'une part, de pouvoir vendre un peu plus cher. Et de l'autre côté, au client, au consommateur, qui peut être consommateur entreprise ou consommateur individuel, de pouvoir acheter beaucoup. En France, on parle de circuit court, par exemple. Donc, mais c'est de ça, en fait, qu'il est question. Et pour nous, c'était une des approches pour pouvoir réduire considérablement les pertes. Donc, aujourd'hui, et pour être un peu plus spécifique sur les chiffres, au début de notre activité, je veux dire, en moyenne et même aujourd'hui,
Un producteur qui veut se lancer dans une filière, en général, il prend 3 semaines par là. D'après nos différentes enquêtes, il prend à moins de 3 semaines pour pouvoir tomber sur le bon fournisseur. Donc maintenant, avec la plateforme, si, je dis pour tous ceux qui nous suivent, si vous allez sur djangolo.cm et que vous recherchez manioc, par exemple, vous tombez sur une liste d'une cinquantaine de fournisseurs de fournisseurs de plantes, de manioc, par exemple. Donc, en le faisant, donc, on a ramené ces 3 semaines pratiquement en quelques heures. C'est-à-dire que toute personne qui recherche une entreprise ou bien des fournisseurs de poussins, ainsi de suite, ils peuvent rapidement rechercher poussins et puis trouver la liste de tous les fournisseurs de poussins au niveau du Cameroun. Donc, c'est à peu près un peu ça. Et puis, donc, quand on a donc fait, parce que dans cette phase-là, on a fait farm.cm et au bout, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les producteurs, il n'y avait pas que les transformeurs, il n'y avait pas que les fournisseurs d'intrants et tout ça, mais il y a aussi les transporteurs. Donc, du coup, on a donc intégré dans l'écosystème une liste de d'entreprises de logistique, parce que l'idée pour nous, c'est de faire que l'acheteur reste le gars qui a son restaurant, qui se focalise sur son activité restaurant, et que celui qui produit, par exemple, des poulets, qui se focalise sur son activité, et il y a une autre entreprise qui va faire le transport et qui va juste être dans la chaîne de valeur, parce qu'en le faisant, en organisant toutes ces différents maillons de la chaîne, ça nous permet de travailler de façon beaucoup plus efficace. Donc, et c'est là qu'on tombe dans la cinquième phase, qui était donc celle de faire un moteur de recherche qui permet justement à tous ces acteurs de pouvoir se retrouver facilement. Et là, finalement, on a donc intégré aussi les consommateurs, parce que le consommateur peut rechercher, par exemple, si vous recherchez sirop sur djangolo.cm, vous tombez sur les produits sirop qui sont faits localement, et vous pouvez voir tous les supermarchés dans lesquels vous pouvez trouver ces produits-là. Donc, bien entendu, on est en train de démarrer un peu avec ça. C'est beaucoup de data qu'il faut collecter, structurer, ainsi de suite, dont on le fait progressivement, et puis voilà. Très bien. Donc, waouh, c'est très, très, très bien expliqué. Je prenais des notes. Donc, si j'ai bien compris, c'est une véritable solution. C'est-à-dire que le producteur se concentre dans son travail et que son client, en fait, l'objectif, c'est de diminuer, en fait, qu'il y ait moins d'intermédiaires. Parce que de l'intermédiaire, tu m'as fait comprendre que, d'après ton constat, que le mec se fait 45 jours pour gagner 200 francs CFA, l'intermédiaire en quelques jours, en 2 ou 3 jours, se fait un bénéfice de 1000 francs CFA. Tout à fait. Donc, l'objectif maintenant, c'est de trouver une bonne clientèle, d'accord, un bon acheteur qui vienne directement. Et comme l'acheteur, lui, a plus de moyens, tu as parlé de certaines entreprises, par exemple, certaines entreprises qui pourraient, grâce à leurs moyens, venir prendre sur place. C'est bien cela. Tout à fait. D'accord. Bah écoute, c'est assez intéressant. Donc, du coup, alors tu as dit que le déclic, c'est suite à l'observation que tu as fait sur le terrain. Tout à fait. D'accord. Alors là, on a parlé de ton actualité. Maintenant, revenons un peu sur ton passé. Alors, Bertrand, plus jeune, c'était quoi ses rêves en fait? Est-ce qu'il rêvait de mettre en place un moteur de recherche comme Djangolo? Alors, c'était quoi tes passions, tes rêves? Tu as vécu dans quel cocon familial? C'était quoi le papa, la maman, s'ils sont encore vivants? C'était quoi les conseils qu'ils te donnaient? Est-ce qu'ils sont fiers de toi aujourd'hui? Bah, pour commencer par la fin, oui, je pense qu'ils sont effectivement fiers de moi. Oui. Maintenant, je crois que tous ceux qui me connaissent, en fait, qui me connaissent depuis mon enfance, en fait, savent que je suis en général passionné par ce que... Comment je dis ça? Je suis passionné par ce que j'aime. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, et avec le temps, ça va varier, en fait. Mais une chose qui est constante, c'est que j'ai toujours été très touché par le bien-être d'autres personnes. Donc, c'est pour ça, en fait, que très tôt, j'ai travaillé dans des orphelinats. Et si je dis mes vacances, c'était des vacances de bénévolat, ça ressemblait un peu plus à ça, quoi. Je veux dire, entre pratiquement 14 ans et puis 21 ans, j'ai passé mon temps, en fait, à visiter toutes les villes, toutes les régions du Cameroun, à la rencontre de personnes. Question de comprendre un peu comment est-ce que le pays fonctionne, j'ai toujours été passionné par la vie des personnes qui, on va dire ça comme ça. Donc, j'étais toujours très curieux de savoir pourquoi est-ce que je me souviens toujours de cette dame que j'ai rencontrée à Mfabe. Mfabe, c'est un petit village après Mounemba. C'est-à-dire que Mounemba, ouais, c'est
après Ekonotiti, et Ekonotiti c'est avant Kumba et ainsi de suite quoi. Donc c'est vraiment dans un village qui est presque à la frontière avec le Nigeria. Et oui. J'avais rencontré cette dame et je suis arrivé dans un village, c'est-à-dire que moi, c'était quel âge ? Je crois que c'était 15 ans ou 16 ans. Et j'ai trouvé quelqu'un pour la première fois qui m'a dit qu'elle n'a jamais mangé de biscuits. Donc pour moi, en fait, venant de Douala, c'était un peu... Oui. On ne sait pas ça, quoi. Et puis j'ai offert des babouches à cette dame. Et c'était, je ne sais pas, c'était comme pour une autre personne acheter une voiture. Donc c'est ce genre de choses, en fait, qui, moi, dans mon enfance, m'ont toujours marqué, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu comme un peu en me disant que il fallait faire quelque chose. Ceux qui avaient l'opportunité d'avoir une bonne vie, ils avaient un peu comme le devoir de faire que les autres sortent un peu de la misère, en fait. On va dire ça. Partager ce qu'ils ont reçu, exactement. Oui, tout à fait. Bon, je vais peut-être partager ce qui. Je vais dire que j'ai toujours été plus dans le sens de. Oui. On va dire ça comme ça. Je suis moins farotage, je suis plus apprentissage. On va dire ça comme ça. J'ai toujours ce réflexe de me dire, je veux donner aux gens qui sont dans une situation désespérée le moyen de se prendre eux-mêmes en charge, en fait. Donc, et ça a toujours été constant dans tout ce que je fais. Et puis voilà, quoi. Donc, je crois que toutes les années, c'est un des trucs. Et je pense probablement, c'est un peu un combiné de deux choses. C'est-à-dire que j'ai ce côté. De ma mère, un peu le côté aimer aider les gens et puis être là pour les autres, ça vient un peu de ma mère, mais je crois que le côté endurance, le côté on va bosser, on n'arrête pas, et ainsi de suite, ça vient de mon père, parce que lui il était il est ingénieur électricien et il a travaillé dans plusieurs entreprises ici au Cameroun, et puis mais en parallèle il avait toujours des activités, en fait quoi. C'est quelqu'un qui ne s'ennuie jamais, on va dire ça comme ça. Bon, aujourd'hui, il approche 80 ans, mais il est toujours en train de faire ses petits trucs, quoi. Et puis, c'est un mec qui ne veut pas prendre sa retraite, quoi. Donc, je crois qu'il y a donc c'est ce combiné, en fait, donc, de ces deux-là, qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc, je faisais un post il y a quelques jours sur mon mur, en fait, parce que très peu de gens le savent, mais j'ai fait Djangolo en parallèle de mes activités. Donc, j'étais consultant en plein temps dans une entreprise qui est reconnue comme une entreprise qui ne laisse pas une minute aux gens, en fait, quoi. Oui. On travaille dur. Donc, vraiment dur et toujours en déplacement. Mais j'ai toujours mis l'accent sur le fait que, pour moi, ma vie n'a de sens que si j'ai la possibilité d'aider les autres, exactement. Voilà. Donc, et ouais, c'est pourquoi très peu de personnes ont compris ma décision, en fait, il y a 2 mois de démissionner et de me mettre à plein temps sur Djangolo au Cameroun. Donc, oui, mais bon, je crois que mon père et ma mère, je crois que mes soeurs aussi, on va dire, c'est probablement des gens qui savent, OK, quand j'ai pris ma décision, c'est pas la peine de perdre du temps à essayer de me faire changer, quoi. Donc, bref, c'est un peu ça, mais c'est ce qui drive, en fait, ma vie, je vais dire. Donc, Djangolo aussi, c'est un projet justement pour. Je veux dire, je serais OK de gagner 4 fois moins que ce que je gagne en Hollande, bien que je gagne en Hollande, ici, mais d'avoir les dizaines, les centaines de mille qu'on a chaque semaine des agriculteurs qui disent qu'on a changé leur vie, quoi. Donc, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Exactement. Voilà. Ça a plus de valeur, plus de richesse. Ça, c'est la vraie richesse humaine, en réalité. Exactement. De savoir qu'on a pu contribuer dans la montée en compétences ou, par exemple, permettre à quelqu'un de trouver une solution. Ça, c'est une richesse, franchement. On ne peut pas t'arracher ça, on ne peut pas t'enlever ça. Donc, du coup, alors, si je comprends, aujourd'hui, je comprends mieux le projet Djangolo. Parce que tu as parlé de ton enfance, tu es allé visiter les orphelinats, tu es allé aider ton prochain. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi Djangolo. Alors, dis-moi, donc, quand tu arrives, quand tu quittes le pays, en fait, c'était quoi l'objectif? C'était faire tes études en informatique, c'est bien cela? Oui. Donc, on va dire que, en fait, j'ai passé un petit bout de temps à l'université de Douala. Bon, oui. À l'époque, je me dis, je veux faire informatique. Je vais dire, personnellement, j'ai toujours eu un problème avec notre cursus académique ici. C'est-à-dire, j'ai par exemple appris à faire les sites internet quand j'étais, je crois, en seconde. Oui. Et j'ai appris online, quoi. J'ai appris en autodidacte, j'ai appris à faire un certain nombre de choses ici. Et je me suis toujours dit, et puis, ce que j'ai envie de faire. Je crois qu'entre la troisième et puis mon bac, j'ai eu tous les problèmes du monde parce que mon cerveau n'arrivait pas
un process de fait que j'arrivais pas à voir la connexion entre ce que j'étudiais et ce que j'avais envie de faire. Donc, ouais. Et je voyais pas de. Quand je dis ça, le fait que j'ai appris à faire les sites internet de moi-même depuis la seconde, le fait que j'ai appris l'essentiel des choses que je sais faire en informatique de moi-même, ça m'a toujours donné l'impression que je perdais un peu mon temps, quoi. Je n'étais pas peut-être au bon endroit, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours ce sentiment-là. Donc, ouais. Après mon bac, j'ai un sérieux challenge avec ce que je fais next, en fait. Mais une chose est certaine, à ce moment, je veux faire informatique. Alors, je décide de m'inscrire à l'université, mais en parallèle, je travaille chez un de mes oncles qui a lancé une chaîne de télé ici, 5 TV à l'époque. Alors, rapidement, je suis mis là comme directeur technique, on va dire ça comme ça. Et puis, je monte, je descends. Et ça, c'est quoi? Je sais plus trop, c'est 19, 20 ans, un truc comme ça. Et puis, je me retrouve à gérer une dizaine, une quinzaine de personnes. Et puis, bref, ça me moule, en fait. Quoi. Jeune, j'apprends à gérer un certain nombre de personnes, gérer un certain nombre de challenges, gérer un certain nombre de stress, parce qu'à l'époque aussi, bon, étant totalement déterminé comme je suis, j'ai dû partir de chez nous à 18 ans parce que, OK, j'aime mon indépendance, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Et puis, donc, rapidement, là, je travaille à la télé, ensuite, je travaille dans une maison de production. Après, je décide, non, je ne peux plus travailler, en fait, pour... J'ai besoin de plus de challenges que ça. Alors, je crée entreprise. Exactement. Je lance ma première entreprise, Campsite, qui est en fait une entreprise qui fait du conseil en informatique, parce que plus tard, je découvre ce que c'est du vrai conseil en informatique. Bon, à l'époque, il faut dire, on parlait de multimédia. Ce qui est digital aujourd'hui, c'était le multimédia. Donc, les entreprises, site internet, c'était comme un truc qui venait de Mars, quoi, pour les Exactement. C'était encore luxueux, quoi. Voilà, justement. À cette époque-là, l'un de mes business principaux, là, je veux dire, mon cœur de business, c'était de faire les CD multimédia. C'est-à-dire qu'on faisait le CD, on mettait les vidéos dans le CD, tel que quand on met le CD automatiquement, il lance une vidéo qui présente une entreprise. C'était la crème, en fait, pour moi, à cette époque. Donc, je me spécialise en fait dans la ville par rapport à ça, la numérisation des trucs, des bandes vers les trucs numériques et tout. Donc, et puis tout se passe plutôt bien. Ensuite, je deviens consultant dans une entreprise de la place qui fait de la communication, BNC Communication pour ne pas les citer. Et puis, je deviens consultant là et je fais des trainings, ainsi de suite et tout. Mais au bout d'un moment, je me dis, OK, tout ça semble être super cool, mais je pense que l'essentiel de ce que je sais, je le fais de façon autodidacte. Et je pense à ce moment que dans les 5, les 10 prochaines années qui vont suivre, je risque de ne pas être à la hauteur du challenge de ce niveau-là, de cette époque-là. Donc, j'essaie de planifier ma vie dans 5, 10 années. Et puis, je me dis que peut-être qu'il va falloir prendre du recul. Je me dis que peut-être qu'il faut avoir une formation véritable. Quoi. Donc, à ce moment, j'arrête. Mais je me dis très bien, bon, une petite parenthèse aussi que à cette époque-là, il y a les problèmes qu'il y a que en fait, les entreprises aujourd'hui ont toujours, c'est que leurs factures ne se font pas payer à temps. Donc, c'est aussi l'un des éléments. Pour être très honnête, c'est un des paramètres qui me fait dire, alors, est-ce que à ce rythme où je facture et puis je suis payé après 30 à 45 jours. J'ai eu des factures de 90 jours, donc voilà, et même plus. Donc, à ce moment, bon, peut-être que ça peut me casser, en fait, quoi, d'être dans un système comme celui-ci. Et je me dis, bon, peut-être que je prends une pause, je vais me former et je vais aussi avoir une expérience à l'étranger. Et peut-être quand je reviens, les choses iront mieux, on va dire ça comme ça. Ouais, peut-être, bon, c'est à ce moment que je me dis, OK, bon, je vais et puis j'arrête tout, je change de vie, je passe d'entrepreneur à étudiant. J'arrive en Hollande, je complète mes études parce que j'avais un certain cursus déjà, et j'ai juste complété là-bas et puis j'avais trouvé un excellent cursus en fait pour les ingénieurs en informatique là-bas et puis j'ai rapidement fait mon truc. Et quand j'ai terminé, j'ai aussi orienté parce que j'ai fait développement logiciel, mais j'ai orienté gestion de projet informatique. D'accord. Donc après, ça fait que quand j'ai fini quand j'ai gradué, en fait, je me lance effectivement dans les activités de consulting et tout. Et pour moi, à ce moment, et il faut que je rentre, en fait. Mmh. Bon, ça c'était le plan. Voilà, jusqu'à ce que je me marie et que j'ai un enfant et puis un deuxième. Donc, tu t'es marié.
C'est bien comme tu as ouvert cette porte-là. Alors, comment elle va? Elle va bien. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de toi, de ton projet, de l'homme que tu es en ce moment? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Bon, je crois que le bon truc, justement, c'est que on s'est connus avant, ici, avant que je parte. Donc, on était deux Oui. amis ici, avant que je parte. Donc, ça fait que, et je me souviens, même je lui rappelle toujours que la deuxième semaine, en fait, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu sais, je suis un entrepreneur. Et je n'entreprends pas pour. Je dis, ma priorité dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement avoir l'argent, mais c'est d'aider le maximum de personnes. Donc, Oui. tu dois savoir que dans le cours de ma vie, si tu veux être dans ma vie, je vais probablement avoir des situations où je mets le projet avant moi. Donc, ça peut arriver. Donc, ça, c'est des choses que Oui. c'est aussi bizarre, mais je crois que tu lui as dit ça en fait la deuxième semaine en fait. Donc, et du coup, bon, après. Je suis allé en Hollande, elle m'a retrouvé aussi en Hollande, et puis après, on a fait Oui. le bout de chemin, et après, on s'est mariés, et après, on a eu des enfants. Donc, Félicitations. merci. Donc, quand je lance, en fait, le projet, bon, elle sait, en fait, que c'est un unstoppable qu'elle a, en fait, en face d'elle. Donc, maintenant, il y a ce qu'on sait, et puis il y a la réalité. Parce qu'il faut dire que, pour moi, quand je gère le projet, la réalité, c'est que j'érige un rouleau en parallèle de mes activités. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la vie de consultant, c'est-à-dire que je suis sorti à 6 h du matin, je suis revenu à 20 h. Bien entendu, quand on est en Europe, on s'occupe un peu des enfants et tout, on doit gérer un certain nombre de choses. Donc, il y a peut-être 2 h avec la famille. Et après, à partir de, je sais pas moi, 22 h, je vais travailler peut-être jusqu'à 1 h et aller me coucher et le lendemain, on recommence, quoi. Donc, Oui. c'est presque pas de vie. Donc, il fallait que je trouve le moyen d'avoir au moins 3 h chaque jour pour travailler sur Django. Donc, et qui dit trouver ces heures-là, ça veut dire que c'est réduit les heures aussi avec la famille, quoi. Donc, Exactement, un ça, gros c'est probablement sacrifice. un gros sacrifice, effectivement. Donc, ça fait que mes samedis, bon, toutes mes amies les Camerounais de ma ville, à Eindhoven, savent que s'il y a une fête ou il y a un événement de la communauté et tout, il y a 80% de chances que Bertrand ne soit pas là. Voilà. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, ça fait que finalement, c'est déconnecte véritablement de la société parce que. Voilà, en fait, j'ai pris tout le temps que j'avais pour me reposer, pour mettre sur ce Ouais. projet. Donc, et puis, bon, c'était soit ça, soit je laisse tomber le projet, quoi. Donc, du coup, oui, dans ce sens, c'est un challenge pour elle, mais c'est aussi un challenge pour moi, c'est pour les enfants aussi et tout. Mais je pense fondamentalement qu'on vit pour laisser un avenir meilleur à ses enfants. Ça, c'est ma philosophie de vie. Donc, et c'est dans ce sens que je regarde les choses et je me dis. Ce que je suis en train de faire, c'est pour permettre à mes enfants. Je dis, cette philosophie en fait, en fait, selon laquelle on vit pour laisser un monde meilleur à nos enfants. D'accord, ça c'est vrai. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de mettre les bases pour que demain, quand mon fils me demande ce que moi j'ai fait pour mon pays, que je puisse lui dire, voilà, moi j'ai fait mon bout de chemin, j'ai pu mettre Django qui a pu aider. Aujourd'hui, on est 40 000 agriculteurs et éleveurs. Et pour moi, c'est quelque chose. Maintenant, demain, il pourra prendre à ce niveau et faire autre chose, ou bien créer un autre truc, je sais pas trop. Mais pour moi, en fait, c'est ça, en fait. Et c'est ce que je dis à mes enfants aujourd'hui. Je dis, je suis à mon fils hier qui me disait, tu as pu aider combien d'agriculteurs depuis le début de cette semaine? Il comprend déjà ton travail. Il a quel âge? Il comprend Exact. exactement. Il Il a comprend. 7 ans, en fait. Ouais. Waouh. Et tu lui Ouais. parles déjà d'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, il faut bien qu'il sache. Je dis, je me suis absenté. C'est la première fois que je m'absente pour 2 mois, en fait. Donc, il faut bien que Oui. je lui explique où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je vais, et puis ainsi de suite, quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Mais c'est bien parce que plus jeune, tes parents t'ont encouragé. Aujourd'hui, en fait, tu passes le témoin à ton fils de 7 ans aujourd'hui. Et tu penses qu'il te ressemble? Et tu penses que déjà, il te comprend? Tu penses il y a une graine de toi en lui? Tu penses que plus tard, il pourra également partager certaines valeurs comme toi? Je pense que, ouais, je dis, j'ai cette philosophie en fait je pense que chaque enfant est unique et puis fait ce qu'il veut. Donc, mais bien entendu, je dissocie un peu les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le souhait d'un parent de dire, je souhaiterais que l'enfant fasse ceci. Mais il y a la Ouais. réalité. Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que chaque personne, chaque enfant crée son chemin. Et D'accord. ce que l'enfant ont Ouais. un petit bout de ce que j'ai, un petit bout de ce que mon épouse a. Et je Ouais. pense qu'on est curieux. Bon, bien entendu, il est très curieux. Je dis,
je ne pousse pas les informations vers lui. En général, il vient vers moi avec des questions. Bon, et puis c'est positif. Donc ça donne l'espoir, n'est-ce pas, que oui. qu'il y aura du truc. Mais la réalité aussi, c'est que nous, en tant que Camerounais, des fois de la diaspora, la réalité, c'est que quand on laisse nos enfants grandir à l'étranger, il faut avoir souvent beaucoup de chance pour que ces enfants comprennent, en fait, s'attachent au pays, en fait. Donc, maintenant, ce que moi, je fais à mon niveau, c'est tout simplement de les exposer au maximum à ce qui se passe au Cameroun. Ouais. Chaque fois, leur amener des trucs qui sont du Cameroun, qu'ils en parlent. Et voilà, donc des fois, ils font des exposés dans leur classe là-bas, parlant du Cameroun, et ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça. Maintenant, côté entrepreneurial et tout le reste, on verra. D'accord. Très bien. Voilà, alors, Bertrand, revenons sur le projet, revenons sur Djangolo. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous rappelons que nous sommes sur 100 Talks. C'est une production de Quantum Empire. Et bien, sur les pages sur lesquelles donc, nous sommes suivis sur la page Florian Moncam, Quantum Empire, également sur YouTube Florian Moncam, Débrouillard Podcast, et également Quantum Empire. Notre invité, c'est Bertrand Fauffet. Et oui, donc il est ingénieur informatique, c'est le mec, il a un background assez intéressant. On nous parle de Djangolo, qui est une véritable solution pour les producteurs, une solution de développement vers une Afrique mieux nourrie. Pourquoi et comment? Donc, on revient pour ceux qui viennent de nous rejoindre certainement dans ce live. Alors, pour Djangolo, une fois de plus, on revient. Mais je pense que là, on a plus de personnes qui nous écoutent. Donc, Bertrand, une fois de plus, pourquoi Djangolo et comment Djangolo fonctionne? C'est pour qui et comment ça se passe? Donc, alors, Djangolo, c'est une plateforme qui permet de, qui est là pour faciliter la vie. En fait, il y a plusieurs. Comment je veux dire? Il faut expliquer ça. Alors, explique ça comme un enfant de 5 ans. Imagine-toi, c'est un enfant de 5 ans qui écoute. Tu vois, parce qu'il nous reste encore 10 minutes avant de terminer. Alors, dis-toi qu'il y a un enfant en face de toi. Ton père, ton fils, autant pour moi, te pose. C'est quoi la solution? Donc, quelle est la problématique? Quels sont les problèmes que Djangolo vient solutionner? Donc, en général, ce que je dis à mon fils, c'est que Djangolo, c'est un projet qui a pour objectif de donner un peu plus d'argent aux personnes pauvres et de permettre à l'Afrique de manger. C'est tout. Donc, ça, d'accord, c'est ce que je dis en général. Et véritablement, en fait, c'est ça. Maintenant, si je veux développer un peu plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du développement de l'Afrique, en général, on veut se mettre dans les trucs super high-tech et autres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se nourrir. Je crois que les chiffres de 2019 nous disent que le Cameroun a importé pour 807 milliards, je crois, à 1 milliard, 2 milliards près. Je crois que c'est un truc comme 807 milliards de produits alimentaires. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est 807 milliards de notre argent qu'on a donné à l'étranger parce qu'on n'a pas pu produire. Et c'est une véritable aberration. Quand on sait ce qu'on a comme terre, quand on sait ce qu'on a comme climat, c'est vraiment triste. Donc maintenant, Djangolo, en fait, essaye de se dire, mais pourquoi on se retrouve dans un pays où, peu importe ce qu'on met dans le sol, cette chose va pousser. C'est une façon de parler, mais c'est un peu la réalité. Je veux dire, je fais les tomates dans mon jardin aux Pays-Bas, mais j'ai 3 mois, j'ai une fenêtre de 3 mois, parce qu'après, c'est froid, après, c'est pas possible. Ici, on a littéralement le climat qui est là pour nous. On a le soleil qui est là pour nous. On a ainsi de suite, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour que un pays, même de façon générale, un continent comme l'Afrique, qui a autant de potentiel, arrive à ne pas être en train de produire au point d'alimenter le reste du monde. Voilà. Donc, c'est ça la problématique. Maintenant, quand on y regarde un peu de près, on se rend compte qu'il y a un problème d'accès à l'information. C'est-à-dire que, malheureusement, notre génération a encore dans la tête le producteur ou l'éleveur ou l'agriculteur comme un pauvre, en fait. Et comme un mec qui souffre, comme un mec qui galère. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'essentiel de nos problèmes tourne autour du fait que les gens n'arrivent pas à manger. C'est la réalité. Donc maintenant, il était question pour nous, non pas seulement de dire, OK, on va créer un système, on va faire de vendre, ceux qui vendent, acheter, mais on veut véritablement redonner l'envie à la jeunesse. En fait, on veut rendre l'agriculture fun.
et cool pour la jeunesse, pour permettre à la jeunesse d'entrer, parce qu'on est quand même à l'ère du numérique, donc de repartir dans l'agriculture et de faire de l'agriculture moderne, de façon beaucoup plus fun, beaucoup plus cool, beaucoup plus chill, si on va dire comme ça. Quoi. Donc, c'est ce que nous, on veut faire. Et bien entendu, il y a deux impacts. Parce que le premier impact, c'est que en permettant aux producteurs de vendre rapidement leur production, ça permet, par exemple, à un producteur, et on a plusieurs exemples actuellement, c'est-à-dire que le producteur qui a 24 heures, disons qu'il y a 8 heures de temps par jour, habituellement, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre 6 heures de temps ou 5 heures de temps à faire sa production. Il va mettre 2 heures de temps à essayer de transporter sa production et il va mettre 1 heure de temps pour essayer de vendre. Mais son métier principal, c'est la production. Quand il disperse un peu ses énergies, ça fait que l'hectare qu'il avait de disponible, il y a de fortes chances qu'à la fin de la journée, qu'il soit tellement fatigué qu'il ne peut pas élargir son spectre ou bien sa zone de culture. Ce que nous, on veut faire, c'est justement de permettre à ce producteur de juste faire sa production, parce que si nous, on prend le relais de la distribution, ça permet justement à ce producteur de pouvoir agrandir, concentrer sa production et se dire, l'année prochaine, je passe à 3 hectares et ensuite, je passe à 5 hectares. Et c'est en faisant don de petits, en permettant à des milliers de petits producteurs de passer d'un hectare à 50 hectares que de façon générale, de façon globale, l'Afrique va produire subitement de grandes quantités. Et en le faisant, les agro-industriels vont pouvoir produire des trucs qui sont beaucoup plus grands. On a vu la fabrique, l'usine d'Angoté au niveau du Nigeria qui était magnifique, mais qui n'avait pas de fournisseur, en fait, de tomates. Donc, il y a tous ces problèmes-là et il faut voir aussi que dans toute cette chaîne de valeur, il y a des métiers à créer. Il y a des transporteurs, il y a un job incroyable, il y a un business incroyable dans les transports, il y a un business incroyable dans la distribution des produits, il y a un business incroyable dans le marketing de produits agricoles. C'est-à-dire que toute la chaîne, en fait, elle est totalement vierge. Et en même temps, on a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. En même temps, on est le continent qui a le plus de pauvreté. Ça ne tient pas, en fait, ça ne matche pas. Donc, l'idée pour nous, en fait, c'est de faire, je veux dire, il y a tellement de problèmes qu'on résout. Mais aujourd'hui, par exemple, des gars de la diaspora, quand il y a eu le Covid, des gars de la diaspora qui ont leur projet au Cameroun se sont rués sur Django pour dire « Je veux pouvoir gérer ma ferme à partir des États-Unis ou bien de la France et permettre justement aux gens qui sont ici de pouvoir suivre. » Et puis, ils peuvent faire des photos, avoir des activités, ainsi de suite. Et ce qu'on veut faire aussi maintenant, c'est par exemple de dire que on a dans notre base de données des producteurs qui, depuis 3 ans, 4 ans, voire, utilisent la plateforme et sont constants dans leur façon de produire. Quand ces producteurs viennent vers nous en disant « Je produis depuis 4 ans, depuis 3 ans et je suis à la recherche d'un financement », ce que nous on fait, c'est tout simplement de se retourner vers tous les gars de la diaspora qui ont justement de l'argent à investir sur des projets et de les mettre en contact. Et ça permet justement que des gens puissent investir. Donc, c'est tout ça qui fait démarrer toute la machine et de faire que les choses soient simples. Il y a les étudiants, en fait, qui sont… En fait, on a un projet, on est en train de travailler là-dessus. Mais l'idée pour nous, c'est d'arriver à une plateforme telle que un étudiant qui est en Allemagne ou en France et autres, qui puisse dire « Ok, je vais mettre 50 euros à la disposition d'un agriculteur et puis je vais reprendre dans 2 ou 3 mois, par exemple. » C'est-à-dire que je suis à la plateforme. C'est de ça qu'il est question, de permettre que tous les Camerounais, peu importe où on est, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit à l'étranger, qu'on puisse contribuer à faire qu'à la fin, qu'on puisse au moins se nourrir. Parce que quand on pourra se nourrir, tous les autres trucs viendront presque naturellement. En fait. D'accord. Alors, Dubois, comment se connecter sur la plateforme? Ça se passe, c'est quoi l'adresse du site? Oui, le site internet, c'est jangolo.cm, comme c'est écrit en fait là en dessous. Et puis, bon, par défaut, tout utilisateur peut faire des recherches simplement et puis tomber sur des fournisseurs ou des clients. Et puis, on a mis des contacts téléphoniques totalement à disposition. Et bien, pour certaines activités, en fait, il faut pouvoir être, je crois, tout en haut et à gauche, en fait, il y a un bouton qui présente toutes nos différentes applications. On a Django Agro, on a Django Agro pour les agro-industriels, pour le personnel qui permet de gérer leur exploitation. On a Django Farmer, on a Django Shopper, parce qu'on est en train de permettre justement à des jeunes de devenir des e-commerçants pour les acteurs de la chaîne de valeur agricole. On a des ambassadeurs qui vont permettre de,
faire la communication digitale, en fait, aux différents acteurs de la chaîne de valeur. Et on a pas mal, on a Django Cook aussi, qui est super. Ah oui, voilà, par exemple, comme à l'écran là. Donc, exactement. Tout à gauche, voilà, il y a. Voilà, là, c'est la liste de toutes nos activités. Et on a Django Cook. Voilà, donc en fait, chaque application, on a le truc qui est décliné là. D'accord. Si tu fais Django Cook, si tu vas dans l'application Django Cook, là, c'est par exemple le dernier truc qu'on a publié. Oui. Voilà, c'est un assistant de cuisine en fait qui, par exemple, il te propose pour les 7 jours suivants les menus en fait que tu voudrais manger en fait. Quoi. Et pour chaque recette, en fait, on a des ingrédients, on a les différents ingrédients et on a les étapes de cuisson en fait. Donc, c'est vraiment d'un bout à l'autre. Ça, c'est le bout de consommateur, ou bien la ménagère, ou bien celle qui cuisine, la personne, homme ou femme, qui cuisine, et jusqu'à l'autre bout où il y a les fournisseurs. Quoi. Donc, en fait, c'est ça. On veut vraiment booster la chaîne de valeur et permettre que voilà, l'écosystème puisse démarrer, qu'on puisse se prendre en main. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des cas concrets, des cas factuels, des personnes qui vous ont fait confiance, des producteurs? Quels sont les retours que vous avez? Alors, actuellement, on est entre 500 et 800 producteurs. En fait, parce qu'actuellement, on focalise un peu sur le littoral pour le moment. Oui. Mais on a des producteurs qui sont surtout le Cameroun. Et même au-delà, il y a des producteurs qui sont en Côte d'Ivoire qui travaillent sur le truc. Donc, sur les 500, on a essayé de filtrer un groupe de 500 pour lesquels on a mené une petite enquête. Et l'utilisation de la plateforme a justement permis à presque, je crois que c'était 70% d'entre eux, de pouvoir écouler leur production beaucoup plus rapidement en fait. Donc, et ça, c'est ce qu'on monitor parce que, je veux dire, le projet a été en grande partie financé par moi et deux de mes autres partenaires. Donc, on n'a jamais fait de levée de fonds. Bon, tu peux citer les deux partenaires, Oui, j'ai entendu Rodrigo Kwanga qui est en Suisse. Puis Pologne qui est en Allemagne. D'accord. Donc, comment vous êtes rencontrés? Alors, on va dire que pour Rodrigo Kwanga, c'était pour ceux qui ont entendu parler du Davoc à l'époque, je crois qu'il y a 5-6 années, on était un peu rêveurs. On a décidé de faire Draw a Vision of Cameroon. Donc, on a créé un projet qui avait pour objectif de repenser le développement du Cameroun. Et c'était l'un des événements de la diaspora les plus sérieux, en fait. Je crois que récemment, même on a dû faire une édition au niveau du Cameroun. Donc, lui, il était pendant un moment le responsable des projets. Et moi, j'étais le responsable financier. Donc, on a travaillé sur ce projet ensemble. On avait Jérôme Monteux, par exemple, qui est en Allemagne et qui est le président actuel de l'association. Donc lui, en fait, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés et on partageait la même envie de faire quelque chose pour changer le monde, on va dire ça comme ça. Oui. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, à une époque, je l'ai onboardé justement dans le projet. Et Pauline Gekam, qui est en Allemagne, en fait, c'est mon pote depuis le lycée, on va dire ça comme ça. Et puis, en fait, on va dire que c'est un mec qui me connaît, quoi, je veux dire, tout au fond, en fait. Donc, et puis, mais lui et moi, on a pratiquement le même background, c'est-à-dire informatique et tout, ainsi de suite. Et pour moi aussi, onboarder pour l'un, c'était OK aussi l'opportunité pour moi de pouvoir sortir du code, quoi. Pouvoir et avoir le temps d'être CEO, on va dire ça comme ça. Je comprends. D'accord. Alors, dis-moi, donc, puisque tu m'as parlé d'une plateforme dans laquelle il y a près de 800 producteurs, vous êtes pour le moment concentré dans le littoral. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez exactement sur le terrain? Et j'ai une autre question également. Alors, puisque c'est beaucoup plus assez digital, comment ça se passe comment vous faites pour contacter le producteur qui n'a pas un smartphone? Comment ça se passe? Oui, c'est une excellente question. Bon, déjà, je veux rappeler, on n'est pas juste dans le littoral. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a décidé de faire notre analyse beaucoup plus dans le littoral. C'est-à-dire que, parce que, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que, n'ayant pas les fonds, on n'est pas accompagné par le gouvernement, on n'est pas accompagné par un organisme international et tout. Donc, tout ce qu'on fait, on le finance de nous-mêmes. Donc, pour pouvoir rencontrer justement vraiment. voilà, merci. Donc, pour pouvoir rencontrer les producteurs, il fallait se déplacer. C'est-à-dire que récemment, j'expliquais à
Je suis arrivé au Cameroun le 1er octobre et je crois avec le 16, comme ça, j'ai fait Douala, j'ai fait Bonabéri, je suis allé à Souza en moto-taxi et en étant en surcharge, quoi. Bref, c'est pour dire à peu près comment il faut aller voir, parce que dans certaines exploitations, il y a tout simplement pas de voie, de moyen d'atteindre en fait ces zones-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on finance notre déplacement. On va rencontrer ces différentes personnes. Mais pour répondre à la deuxième question, en fait, c'est que au départ, on avait justement ce problème. On s'est dit, bon, est-ce qu'on va pas faire une plateforme Internet qui va être digitale et est-ce que ça va pas exclure une grande partie des producteurs? Parce que la majorité, en fait, n'a pas Internet, n'a pas de smartphone et tout. Mais après, on a fait une petite enquête et on s'est rendu compte que sur Facebook, seulement sur Facebook, on a, en tant que sympathisant, c'est-à-dire qu'en tant qu'amateur, de façon générale, bon, pas les professionnels, mais les amateurs d'agribusiness, on en comptait 500 000. Et nous, on s'est dit, bah, si on arrive à prendre ces 500 000, ce serait pas mal. On peut commencer par là. Maintenant, avec le temps, ce qu'on a pu constater, c'est que, oui, l'une de nos forces ici au Cameroun et en Afrique de façon générale, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que quand on s'est rendu compte que souvent on a un producteur qui est sur Facebook, on le contacte, il vient créer son compte sur la plateforme et on reste en contact téléphonique avec lui. Mais lui, il est le seul à avoir un smartphone dans toute une zone où il y a près de 200 producteurs. Et automatiquement, il devient notre relais dans cette zone-là. Et c'est lui qui nous donne dans les infos de cette zone. Et dans certains cas, nous, on se déplace pour aller rencontrer ces personnes. Donc, et on est en train de. C'est sur cette base, la base de cette expérience-là, qu'on a essayé de développer aussi le concept d'ambassadeur. C'est-à-dire que de permettre que. On a cartographié tout le pays, permettre que dans chaque point de production, en fait, qu'on ait des représentants qui vont se charger de faire la connexion avec ces agriculteurs, ses parents, ses grands-parents qui cultivent des trucs, mais qui n'ont peut-être pas de téléphone ou de smartphone. En fait, quoi. Ça permet aussi de créer une chaîne qui permet, par exemple, à un étudiant qui est à Tchamp, par exemple, en Yaoundéré, de pouvoir se faire de l'argent. Oui, en étant ambassadeur, il peut se faire de l'argent, il peut bénéficier d'un certain nombre de choses, parce que nous, on fait et on paye les ambassadeurs, justement. Ça, c'est Et très bien. tout le monde est OK, parce que D'accord. le producteur qui est en Yaoundé ou bien qui est à Tchamp, il n'est plus à la merci d'un seul revendeur qui venait habituellement là-bas pour lui imposer les prix. Puisque nous aussi, on a les prix du marché, on peut retransmettre à cet ambassadeur les prix du marché à Douala pour qu'il sache en fait pour qu'il puisse dealer mieux en fait. Donc, et ça, c'est ce qu'on fait. Ça donne donc plus de visibilité aux producteurs à travers l'ambassadeur pour que les potentiels acheteurs qui sont ici, les restaurants, les hôtels, même les particuliers, puissent s'approvisionner de la façon beaucoup plus beaucoup moins chère. Je comprends. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que je veux dire, ceux qui profitent, ceux à qui les producteurs livrent leurs marchandises, est-ce qu'ils sont satisfaits? C'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les plateformes, je veux dire, les différentes surfaces de distribution, est-ce qu'ils sont satisfaits? Alors, il faut dire que jusqu'à la courte réponse, c'est oui. OK? La courte réponse, c'est oui. Maintenant, je développe. Donc, jusqu'à il y a 2 mois, en fait, bon, 1 mois même, en fait, parce que je suis arrivé le 1er octobre. Et je suis arrivé le 1er octobre parce qu'on voulait lancer un nouveau service. Bon, je vais peut-être le dire en exclusivité ici, mais Merci. jusqu'ici, ce qu'on a fait, en fait, c'est de mettre en relation les gens. C'est-à-dire que l'acheteur qui arrive et qui veut acheter du manioc au producteur, quand il arrive, il recherche manioc, il clique sur le produit manioc, il a la liste de tous les fournisseurs. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que ils arrivent dessus, ils cliquent sur les fournisseurs et ils peuvent les contacter. Donc, quand ils se contactent entre eux, bon, ils font la transaction et puis voilà. Donc, jusqu'ici, on avait juste les retours des personnes qui venaient nous dire. Ah oui, j'ai trouvé un bon fournisseur, vraiment merci, c'est super, tape, j'ai pu faire mon deal, c'est OK. Et des retours de personnes qui venaient nous dire, ouais, j'ai essayé de contacter 3 à 4 personnes, mais ces personnes n'ont pas vraiment réagi et tout. Bref, on avait des expériences positives et des expériences négatives. Alors, on a aussi compris que de plus en plus de personnes, surtout les entreprises, avaient juste besoin qu'on leur fournisse, ouais, c'est-à-dire ils avaient juste besoin de dire, d'avoir une espèce de boîte où ils vont venir mettre leurs besoins et puis ils vont être satisfaits. Point barre. Donc, et sur cette base, on a donc décidé de mettre sur pied une centrale d'achat. Donc, parce que sur la base de toute la base, sur toute la base de données,
fonction de la part de producteurs, de personnes qui sont des acheteurs, ainsi de suite, on est les mieux placés actuellement pour créer une véritable centrale d'achat. Et c'est ce qu'on est en train de mettre sur pied. Donc, du coup, vous êtes également garant de la qualité aussi. La qualité des producteurs, la qualité des fournisseurs. D'accord, ça c'est très bien. Oui. Donc, ça fait que depuis le 1er octobre, en fait, on a commencé à passer en revue toute notre base de données. On a lancé un processus de validation et de certification même de certains producteurs. On a aussi signé de bons contrats avec des entreprises de logistique qui vont nous assurer les délais de livraison. Et donc, ce qu'on veut offrir justement aux restaurants, aux hôtels et bref, tous les acteurs de la chaîne de valeur, on veut leur offrir la garantie de la disponibilité pour les produits qu'on a. Donc, eh bien, on est en train de le faire progressivement parce qu'on a pratiquement 1200 produits sur le système. Ouais. Donc, il va falloir nécessairement aller mollo. Actuellement, par exemple, par rapport au plantain et au poulet, en fait, on a les deux dernières semaines, on a démarré progressivement. Donc, il y a deux semaines, on a lancé la première campagne de. Il y a trois semaines, pardon. On a lancé la première campagne de livraison de produits directement venant de la ferme, c'est-à-dire que du producteur au consommateur. Donc, et puis, ça se passe plutôt bien. Ouais, les chiffres sont plutôt intéressants. Et cette semaine, on a démarré avec du plantain. Et donc, on rajoute du plantain au poulet qui se faisait déjà. La semaine prochaine, on rajoute des poissons cilieux, par exemple. Donc, et ainsi de suite, on va le faire. Ainsi de suite. Donc, oui, donc ça, c'est la centrale d'achat qu'on est en train de mettre. Puis, en fait, c'est la raison pour laquelle je suis au Cameroun. Et c'est pour ça que je vais personnellement rencontrer tous ces différents producteurs pour me rassurer de la qualité, pour me rassurer des processus qu'ils ont. Et pour que, voilà, quoi. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Et puis, les retours sont plutôt positifs. Enfin, je veux dire, d'accord. C'est pratiquement 150 livraisons, un peu plus même, en fait, qu'on a fait, je veux dire, les deux derniers jours, en fait. On a, en fait, eu pratiquement aucun retour. En fait, pas pratiquement, on n'a eu aucun retour. Non, et plutôt, on a eu un truc comme 70% de commentaires positifs. Parce que la réalité, pour comprendre, c'est que si je prends le poulet, par exemple, en général, le poulet sort des fermes à 2000 francs, 2200 par là, 2200 au max. Et puis, il se retrouve chez des intermédiaires et ces intermédiaires vendent à d'autres intermédiaires. Par exemple, un vendeur au marché central qui va vendre à un grossiste peut-être à 2500 francs, je ne dis n'importe quoi. Et puis, lui, il va prendre d'aller vendre au marché de Bonamoussadi et il va mettre aussi ses prix. Et il y a des gens qui s'approvisionnent au marché de Bonamoussadi pour aller vendre peut-être au marché de 14. Et puis, ainsi de suite. Donc, ça fait que finalement, le mec final, il va acheter avec pratiquement 1000 francs de différence. Et c'est pas bon pour le consommateur, c'est pas bon pour le producteur. Donc, ce que nous, on fait, c'est de dire au producteur qui avait l'habitude de vendre son poulet à 2000 francs, de lui dire, OK, on va te donner 2100 francs ou 2200 en plus. Ça veut dire que tu as un peu plus que d'habitude. Mais on va mettre un transporteur entre les deux qui va aller prendre peut-être à 500 francs et qui va donc venir livrer au client à 2500 au lieu de peut-être 3000. D'accord. Comme actuellement. Donc, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Bertrand Fauffet. Donc, merci pour cette mise en place. Merci pour cette solution. Donc, là, on a attendu qu'il y ait quelques questions. Bon, ce sera peut-être plus tard, autant pour moi. Mm-hmm. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture aujourd'hui? On va conclure avec ça. Ouais, je le dis chaque jour, en fait, je le dis tous les jours sur ma chaîne YouTube et puis sur mon compte Facebook. L'agribusiness va faire les milliardaires de demain. Et nous, c'est à double, c'est-à-dire qu'il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est de pouvoir se nourrir parce que notre indépendance, on ne va pas juste dire qu'on veut être indépendant. Il faut être indépendant. Et la base, c'est de pouvoir s'alimenter. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a le potentiel de nourrir le monde. C'est-à-dire que sur le côté économique de la chose, on a le potentiel de créer le cash qui va nous permettre de développer, par exemple, notre tech, de développer, par exemple, notre éducation, de développer, par exemple, nos infrastructures et tout ce qui va avec. Donc, l'agriculture, c'est définitivement, en tout cas, l'agribusiness, c'est définitivement le futur. C'est là qu'il y aura les milliardaires de demain. Donc, si vous êtes agriculteur, si vous êtes un jeune et vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien pour une raison ou une autre, vous voulez faire quelque chose dans la chaîne de valeur, n'hésitez pas à venir vers nous et puis on va essayer de… Voilà. On a sur le site internet une URL qui permet de s'abonner à la newsletter. On a fait un excellent document
qui touche l'idée qui est dans toute la chaîne de valeur. Donc, toutes les personnes qui sont en panne d'idées pour lancer leur business dans, le, dans la chaîne de valeur AgriBusiness, on a fait un document pour vous. Vous pouvez juste venir télécharger, vous allez avoir la liste de tous les métiers qu'on peut avoir dans le truc, en fait. Donc, le conseil que je vais donner aux gens, c'est, de, c'est définitivement de, d'identifier, parce que tout le monde, chacun a vraiment un truc. La chaîne de valeur est suffisamment grande pour que même le gars qui fait, voilà, justement, c'est cette page-ci. Donc, même, même le gars qui fait, je sais pas moi, même, même un comptable peut avoir un business dans, le, dans la chaîne de valeur. Parce qu'il y a des agriculteurs qui ne savent pas gérer leur exploitation. Il y a des personnes qui ont du cash, mais qui ne savent pas organiser la structure financière de leur projet. Et il y a tellement de possibilités là-dedans. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimes sur un point sur lequel… Ah, il y a une question. Alors, Edgar Nola qui nous pose la question. Votre concept met en relation les producteurs et les consommateurs. Avez-vous un produit qui rencontre une demande sans offre dans l'agriculture, maraîchère par exemple? Oui. Alors, on a un… Je veux dire, sur, sur la plateforme, en fait, on a… Je crois que sur la page qui est à l'écran là, on a sur la page notre contact, on a un numéro WhatsApp où en fait, toutes les, on collecte les besoins et les, la demande et l'offre, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais oui, vous pouvez venir vers nous avec une offre spécifique. Et attendez, avez-vous un produit qui rencontre une demande sans offre dans l'agriculture? Ah, ok, d'accord. C'est plutôt de savoir s'il y a une opportunité, en fait. Oui. Bah, on a définitivement, on a pas mal de produits. Et je crois que c'est, ça dépend de la période. Je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas, mais je crois que peut-être pas… alors, le produit qui me revient à, dans le top comme ça, c'est peut-être pas maraîchère, mais c'est le fruit de la passion, qui est un des produits les plus demandés et qui, pour lequel on a très peu de demandes. Donc, dans l'agriculture maraîchère, qu'est-ce qui me revient là? Qu'est-ce qui me revient? Bon, de toute façon, je crois que la pastèque en saison sèche est très demandée aussi. En général, malheureusement, c'est le cas. La pastèque dans le… dans la saison sèche, en fait, est très demandée et l'offre, en fait, est faible. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de gars qui sont en train de se lancer dans la culture avec l'irrigation et puis voilà, quoi. Donc, et je pense que tous ces produits-là, en fait, concombre et tout, ainsi de suite, ont… D'accord, justement. D'accord. Nous avons également une question. Alors, on salue Douglas Biandou qui nous suit toujours à tous les lives. Alors, ensemble, sensibilisons la jeunesse sur les opportunités de l'agriculture et le numérique. Merci vraiment, Douglas. Donc, en fait, tu fais un travail énorme, Douglas. Alors, il y a une autre question de Marthe Sandrine Elimo. Elle nous pose la question. Question. Est-ce qu'il est correct d'estimer que le fardeau financier… Est-ce que tu lis la même question? Tu vois le… Oui, ouais, tout à fait. Final, okay. Non, vas-y, je te laisse lire alors. Oui, dans ce cas, comment l'expansion de ceci Oui, la réponse à la première question, c'est oui, définitivement. Et je pense que c'est en fait ce que j'expliquais tout à l'heure dans le… Dans la, dans le en expliquant ce qu'on fait par rapport à la centrale d'achat. Donc, on n'a pas la solution. Il faut rappeler, hein, Django, c'est une start-up, d'accord? Ce n'est pas Philips ou bien, voilà, c'est une start-up. Donc, il y a pas mal de choses qu'on fait en test. Il y a des choses qu'on fait pour voir à peu près si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, ce que nous, on pense, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on a deux approches, en fait, de résolution de ce problème. C'est-à-dire que… les 40% de pertes que les producteurs ont, ils les dépensent en fait de deux façons. Ils les compensent de deux façons. Bon, ou plus ils compensent d'une façon et puis voilà. Donc, en général, soit ils vont repercuter directement tous les prix sur le consommateur, soit ils vont pas repercuter et puis ils vont mourir. C'est-à-dire qu'après avoir fait deux productions, il va s'arrêter. Donc, ça, c'est un truc. Maintenant, nos deux hypothèses pour pouvoir résoudre ce problème, c'est de donner la possibilité aux producteurs de pouvoir vendre avant la récolte. Parce que la majorité des personnes qui perdent de l'argent, des producteurs qui perdent de l'argent, c'est les producteurs qui récoltent d'abord leurs produits et commencent à chercher le vendeur. Mais les produits n'attendent pas parce que les produits, la majorité de ces produits vont pourrir, par exemple. Donc, et les acheteurs, les intermédiaires, ils le savent. Ils savent qu'il y a la pression après la récolte. Donc, pour eux, c'est très intéressant de pouvoir, sur le plan économique, quoi, de pouvoir acheter après la récolte. Or, en général, c'est
des avantages hypothèse, c'est de tout faire pour que le producteur puisse avoir un contrat d'achat avant la récolte. Ça, c'est la première des choses qu'on fait. La deuxième des choses, c'est qu'on permet justement au producteur de pouvoir avoir l'exposition qui lui permet de dealer avec ceux qu'il veut. Donc, c'est un peu ce que c'est qu'on fait. Maintenant, donc, dans cette logique, par exemple, on est en train de tester une logique un peu comme les groupons en France ou bien je ne sais pas trop où. Les groupons qui vont permettre donc aux consommateurs qui ont justement un faible pouvoir d'achat de pouvoir acheter en groupe à un producteur. Parce qu'on a souvent un producteur, par exemple, en Djoumbé, j'ai rencontré des producteurs qui font des produits différents, papaye, tout, plantain, ainsi de suite. Mais il n'a pas les moyens de déplacer un camion. Par contre, si on a par exemple 100 personnes qui décident de prendre deux régimes de plantain, je dis n'importe quoi, nous on peut dire, OK, si vous achetez au prix de la ferme, au prix de la ferme plus 100 francs pour le transport par régime, nous on va chercher 200 régimes chez le producteur. Ça, c'est notre hypothèse maintenant. Maintenant, on est en train de valider ça avec des essais concrets en fait, quoi. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la deuxième question, mais c'est un peu notre façon de faire ça et on espère que ce soit scalable. Parce que justement, en le faisant, ça va permettre que le producteur qui est à Banga, qui mette seulement, OK, j'ai 300 régimes de plantain disponibles et nous, on va envoyer à tout D'accord. notre réseau de Alors consommateurs. justement, merci beaucoup pour cette réponse, Bertrand. Il y a une autre question de Christian Togo et Sola. Bonsoir Global, moi je fais dans l'agriculture, mais pour le moment je n'ai plus d'argent pour relancer. Et j'ai franchement le terrain en fou, Yaoundé, j'ai besoin d'aide. Alors pour ce Oui. type de profil, hein, de besoin, comment est-ce que vous, Donc, quelles sont les solutions que vous apportez? alors en fait, en général, pour ce type de profil, il y a les questions qui viennent sont de deux types. Le premier type, c'est j'ai plus d'argent, donc j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'investisseurs. Le deuxième, c'est de dire que OK, j'ai le terrain et peut-être je vais voilà, je vais peut-être je recherche quelqu'un qui va venir travailler sur le projet. Bon, il y a pas mal d'options. Mais ce que je recommande en général pour ce type de profil, c'est justement de... Parce que pendant qu'à gauche, on a des gens qui ont du terrain et non pas d'argent, il y a des gens qui ont de l'argent et non pas de terrain. Et nous, en fait, on reçoit ces trucs tous les jours, en fait. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est justement de nous laisser un message sur notre compte WhatsApp. Pour nous dire en fait, pour nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire que c'est où en dessous, c'est quelle zone, ainsi de suite. Euh, Est-ce ça, qu'il y ça a peut être. possibilité, alors je vais demander à la régie si on a la possibilité de mettre ce numéro WhatsApp. Est-ce que c'est possible? Je demande à la régie, est-ce qu'on peut afficher ce numéro WhatsApp qu'on peut retrouver facilement? Alors, donc il faut aller sur le site www.jungolo.cm et le numéro WhatsApp, oui. Alors, je ne sais pas si tu peux faire farmer.cm. Si tu fais farmer.cm, Alors, je c'est demande à la régie de le faire, farme.cm. bon. Donc, sur farmer.cm, il y a un numéro, parce que farmer, c'est directement le numéro pour ce type de problème, en fait, quoi. Il y a un numéro tout en haut qui permet justement de faire ça. Donc, oui, donc ça, c'est ce que je recommande. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'on fait pour ceux qui ont besoin de financement, il faut comprendre de façon très claire qu'on est dans un écosystème où la confiance a complètement disparu. Parce que les gens ont eu des expériences totalement négatives. Et ce qu'on recommande aux jeunes qui sont en train de faire des productions, c'est, voilà, je crois que le numéro tout en haut là-bas, voilà, c'est un numéro WhatsApp, effectivement. Voilà. Donc, ce que nous on dit à tous ceux qui sont en train de produire aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser sur la plateforme, ils ont l'application Farmer qui leur permet de pouvoir gérer, suivre leur production au quotidien. Parce que quand les personnes viennent vers nous, on a tous les jours des dizaines de personnes qui viennent vers nous et nous disent, vous n'avez pas le producteur sérieux sur qui je peux investir. Et puis, nous, on est obligés, je veux dire que nous, on doit pouvoir valider. Et pour valider, on doit pouvoir avoir l'historique de production, par exemple, de ces personnes. Donc, beaucoup de jeunes, en fait, démarrent, mais ne La transparence, je vais dire ça comme ça, pour faire simple, la transparence dans l'activité de la personne permet justement de facilement trouver le potentiel partenaire financier. Donc, par exemple, lui, tout à l'heure, en fait, il a la possibilité, peut-être s'il a un historique de production, ou bien, je ne sais pas moi, s'il a un projet, s'il a documenté son projet ou bien ses activités,
Parce que généralement, c'est de documenter uniquement un projet qui a réussi, mais non, l'échec aussi nous permet de savoir à peu près comment la personne réagit. Parce que les personnes qui veulent investir ne veulent pas investir pour jeter leur argent, ils veulent investir en sachant que cette personne au moins est honnête. Donc, et bon, il faut travailler sur ça en fait. Exactement. Et en rappelons que le numéro s'affiche que le contact de Djongolo. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes en ce moment en live sur les plateformes YouTube Florian Moncam, Débrouillard Podcast, Quantum Empire, également sur le compte Facebook de Florian Moncam, Quantum Empire. C'est l'émission, c'est le live 100 Talks. Alors, il y a Marthe, Sandrine et Limo qui viennent de nous répondre. Merci pour la réponse. Est-ce qu'on peut craindre une perte des petits intermédiaires parce que vous vous substituez à ceci? Ah, c'est une question assez intéressante. Oui, tout à fait. Elle est définitivement intéressante. Alors, je vais partager un petit truc justement qui est que l'un de mes chocs, bon, choc, c'est peut-être trop dire, mais l'une de mes découvertes pour ce voyage-ci au Cameroun, c'était que à partir de l'Europe, je me disais effectivement que ces intermédiaires pouvaient souffrir du fait que nous on déploie justement ce qu'on est en train de déployer. Mais j'ai compris quelque chose ces derniers jours qui est que de façon culturelle, je dis bien de façon culturelle, on a l'habitude, je veux dire, c'est important pour nos consommateurs d'aller chez le boutiquier. Oui. Parce qu'il y a des choses que ces personnes recherchent qu'elles ne vont pas trouver au supermarché. Mmh. De la même façon, le e-commerce n'apporte pas ces choses que ces personnes, je veux dire, moi, je suis allé personnellement dans plusieurs, je me suis mis dans la peau de, voilà, quoi, je dis, il fallait que je comprenne bien le marché. Donc, je suis allé à Sandaga l'autre jour, carrément jouer un peu les déchargeurs aussi, un peu et tout, question de comprendre un certain nombre de choses. Donc, en discutant avec des boutiquiers qui vendent des bonbons, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces personnes ont des échanges avec leurs clients que rien ne peut remplacer. C'est-à-dire que le numérique ne pourra pas remplacer ça. Donc, nous, on est conscient du fait que il y a tout un écosystème. Il faut comprendre que les restaurants et les intermédiaires avaient leurs relations. Les hôtels et les intermédiaires avaient leurs relations. Les particuliers et les intermédiaires avaient leurs relations. Mais il y a aussi le fait que les producteurs avaient aussi, c'est pas nous qui venons créer ça, les particuliers avaient déjà aussi leurs relations avec certains producteurs directement. Mais ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir identifier chacun des spectres, en fait, bien des groupes, et pouvoir optimiser ce qui se fait là. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est pas de venir raser tout et puis dire tout le monde va commander sur Django. Non, c'est pas ça. Donc, on essaie de prendre ce pour qui c'est important. Un hôtel, un restaurant, par exemple, a besoin d'avoir un délai de livraison assez fixe, d'avoir une qualité au niveau de la livraison assez fixe, et un certain nombre de trucs. Donc, pour un hôtel, c'est magnifique. Pour un restaurant, autant pour moi, c'est super de pouvoir avoir un point, une centrale d'achat qui va garantir la qualité, la disponibilité et tout ce qui va avec. Par contre, pour la dame du quartier, celle qui veut toujours aller à la boutique, taper un peu les divers avec le vendeur et tout, elle a besoin d'autre chose. Donc, c'est dans ce sens que nous, ce qu'on a fait pour cette chaîne-là, pour ce groupe-là, ce qu'on est en train de faire, c'est de digitaliser justement, de mettre en ligne toutes ces boutiques-là. On veut permettre à chacun dans sa maison de savoir quelle est la boutique ou la petite revendeuse du quartier la plus proche qui a le produit en stock, par exemple. Donc, ça, c'est une grosse problématique. D'accord. On est en train de travailler là-dessus, mais voilà quoi. Donc, pour dire en fait que notre philosophie nous impose un peu de pouvoir voir comment est-ce que on rend les choses scalable, mais pas de façon à nuire ce qui existe en fait déjà. Mais on veut plutôt optimiser. Je prends un exemple. L'optimisation voudrait par exemple dire que cette jeune dame, par exemple, que j'ai rencontrée au marché du PK14, ici à Douala, elle m'a expliqué en fait qu'elle se lève chaque matin à 4 heures, elle va au marché Sandaga pour acheter 3 cajous de tomates et elle va à son marché et elle se déplace donc, elle met dans un taxi pour aller au marché de 14
Et au marché de 14, elle a un petit espace de 1 mètre carré max. Et elle prend donc ses tomates et les vend en bordure de la route. Ça dit carrément sur la chaussée. Donc, j'ai discuté avec cette dame pendant un bon bout de temps et je lui ai dit, OK. Alors, cette maman, est-ce que si on te facilite la chose, si à 4 heures, au lieu que tu ailles à Sandaga chercher le truc, on s'arrange à ce que tu aies ton cajou de tomate livré directement au marché de PK14. Ça va faciliter ta vie. Elle a dit, oui, mon fils, ça va me faciliter la vie. Et ça, c'est ce qu'on essaie de résoudre. C'est-à-dire, on essaie de voir comment est-ce que, sans prendre le business de cette maman, parce qu'elle me rappelait qu'elle a son dernier enfant qui est là, mais ses autres enfants sont à l'université et c'est elle qui a payé leurs études. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on veut. On veut se rassurer, en fait, que ça continue, en fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour que la peine de cette maman soit beaucoup moins prononcée, en fait? C'est ce qu'on fait. On essaie de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on fait ça. Mais c'est un peu... Merci beaucoup. Donc, elle a dit excellente mise en pratique d'économie circulaire. Congratulations. Elle a un PhD. Elle sait de quoi elle parle. Merci. Donc, voilà, ce sont ceux qui nous suivent depuis LinkedIn. Donc, merci à vous. Là, on a débordé le temps imparti. Alors, il y a une autre question. Avez-vous des ingénieurs agronomes ou du personnel pour le suivi d'une exploitation, par exemple, pour les gens de la diaspora? Très bonne question. Alors, qu'est-ce que tu as comme réponse par rapport à ça? Alors, oui, nous avons nous avons un ingénieur agronome en interne, mais je veux donc préciser, en fait, que nous, ce qu'on fait, ce n'est pas de... la chaîne de valeur existe déjà. Donc, il y a, je crois que sur le système, on a une centaine d'entreprises qui offrent des services d'accompagnement de projets agricoles. Et quand je parlais de la chaîne de valeur, c'est ça. Donc, si vous allez maintenant sur la plateforme, vous recherchez, je sais pas, gestion ou bien, ou projet agricole ou je sais pas trop, vous allez tomber sur des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Parce que ce que nous, on veut faire, c'est d'interconnecter ceux qui existent déjà. C'est pas de prendre le boulot d'autres personnes. Donc, nous, c'est pas nous qui devons. La précision vaut la peine. Tout à fait. Donc, nous sommes là pour permettre justement à tous ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent investir de pouvoir facilement. On a, je pense, au moins une centaine d'entreprises locales, bon, étalées sur tout le Cameroun, qui accompagnent les entreprises, en fait, qui peuvent monter tout votre projet et le livrer clé en main, en fait. Donc, et nous, ce qu'on fait, c'est les mettre dans l'écosystème pour vous permettre de facilement les trouver et puis voilà. Maintenant, notre personnel en interne, c'est plutôt pour valider un certain nombre de choses. Par exemple, aller se rassurer qu'un producteur est vraiment bio, se rassurer qu'un certain nombre de choses, et puis voilà. D'accord. Dans tous les cas, il faudra y penser à émettre des ingénieurs parce que ce type de questions, vous les aurez. C'est sûr, vous les aurez. Effectivement. Parce que avec les années, ça évolue, le besoin évolue et tout, donc le marché évolue. Tout à fait. Alors, merci Bertrand, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, certainement, vous allez répondre inbox grâce au numéro WhatsApp. Wow. Vous êtes joignable sur Facebook, @djangolofirm, également les différentes plateformes dans lesquelles vous êtes disponible, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube également. Voilà. Donc, aussi le site www.djangolo.cm. On salue tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui ont suivi ce live depuis, on a fait 1h20. Merci encore. On se donne rendez-vous au prochain Talks. Merci Bertrand. Merci à tous et à la prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et belle continuation pour votre projet Djangolo. Merci bien. Merci bien. Allez. Bye bye. Bye bye.